Le hall d'entrée de la halle olympique d'Albertville a accueilli ce mardi soir le vernissage de l'exposition du peintre savoyard Frédéric Bernard. Sa vocation d'artiste, le peintre l'a eu sur le tard. Cela fait une dizaine d'années que je peins. C'est venu comme ça, je suis complètement autodidacte. J'étais très sportif, on va dire, football, stagiaire pro, professeur d'arts martiaux, beaucoup de tennis aussi. Et puis les années passent et donc beaucoup moins de sport. Et puis la vie est tellement bien faite qu'elle m'a amené à la peinture par ma sensibilité. Et je me suis pas posé la question comment l'exprimer, cette sensibilité. C'est venu comme ça. Donc un jour j'avais une image en tête d'un tableau. Je l'ai fait. Je l'ai laissé chez ma maman, elle l'a vendu et c'est ça. En fait les trois points importants d'un artiste se sont mis en place. La création d'un tableau, le visuel du tableau et la vente. À partir de là, j'en enchaîne un deuxième. Le deuxième est assez révélateur parce qu'il m'amène à travailler avec des raclettes, avec des truelles, sans arrière-pensée, un peu dans ma façon d'être, un peu instinctif, voilà. Et ce tableau s'est sorti des choses assez incroyables. Je le possède toujours, d'ailleurs, je ne l'ai jamais vendu. Et à partir de là, j'ai enchaîné, j'ai su très vite que c'est ce que je voulais faire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais. Je me suis donné les moyens pour vraiment accéder à cette passion. Donc, j'ai pris une année sabbatique pour voir si j'étais capable de peindre, si je pouvais enchaîner des tableaux, si mes tableaux allaient plaire, si je pouvais faire des expositions. Et ça s'est avéré, c'était très positif. Donc, à la suite de cette année, j'ai arrêté de travailler et je me suis mis à mon compte, on va dire, hein, et j'ai enchaîné d'autres salons. Et j'ai pris des risques, j'ai vendu, je me suis pris un atelier et tout ça marchait bien. J'ai vendu aussi dans des hôtels de luxe à Méribel. Enfin voilà, ça s'est très très bien passé. La halle olympique, un complexe sportif, une salle de spectacle, mais pas seulement pour la maire d'Albertville, Martine Berthet. Alors la halle olympique, c'est un établissement sportif, avant tout avec la glace, avec le mur d'escalade. Et puis de grosses compétitions qui ont eu lieu ici. Mais c'est aussi un établissement que nous avons voulu culturel, avec des spectacles qui ont lieu dans cette halle, mais aussi à présent, donc cette première exposition dans le hall d'entrée, avec un artiste que personnellement j'apprécie beaucoup, qui peut laisser à chacun un peu le rêve, la découverte, selon les sensibilités, on aime plus ou moins certains tableaux, enfin on préfère certains et je pense que venir ici pour un spectacle ou pour du sport et en même temps pouvoir découvrir une exposition de peinture, c'est un élément encore plus valorisant pour notre halle olympique et pour le plaisir de tout le monde.